Être distingué meilleur ouvrier de France est une consécration quand on est un artisan et qu'on aime son métier. Voici le meilleur pâtissier de France, Jean-Christophe Janson, à 40 ans de métier. Il a été distingué aujourd'hui, Jean-Christophe Batteria. Le glaçage au citron parachève cette mousse de fromage blanc. Le geste, mille fois recommencé, atteint la perfection, mais cette fois, le plaisir est plus fort encore. Jean-Christophe Janson peut enfin, pour la première fois, revêtir la veste au col tricolore du meilleur ouvrier de France. Oui, il est là. L'excellence, ça veut pas dire faire un éclair chocolat qu'on n'a jamais vu. C'est pas forcément ça. Ça veut dire faire un éclair au chocolat qui est irréprochable. Et Dieu sait si c'est compliqué à faire. À 52 ans, Jean-Christophe a déjà 40 ans de métier. Il a débuté enfant avec son père. Il apprendra à lire et à écrire bien après être passé maître dans l'art de la pâtisserie. On achète avec les yeux d'abord. Donc forcément, le look doit être la première émotion. Quand on regarde un gâteau, on doit savoir ce qu'on va manger. Donc là, quand il sera fini, vous savez que vous allez manger un gâteau au citron. C'est important. Et ce gâteau, c'est une création qui date de 1968, sans cesse remise au goût du jour. Jean-Christophe interprète la partition et y ajoute sa note, printanière cette fois, avec des feuilles de réglisse fraîche et écorce de citron vert. Un petit peu de croustillant avec en même temps. Moi j'ai des frissons dans le dos régulièrement. Quand des clients viennent nous voir et nous disent et j'ai presque les larmes aux yeux. Alors ça arrive, hein. C'est pas à chaque fois, mais à chaque fois on a des compliments émotionnels. Quand on vit ça, on a le plus beau métier du monde. Et ce matin à la Sorbonne, ce sont ses pairs qui l'ont applaudi. De Séoul.